Hello mes beautistas, heureux pour celles qui tombent sur cette vidéo partie 2. N'oubliez pas d'aller regarder la partie 1 du haul Shein. Alors, je continue. J'ai pris un pyjama. Comme vous le savez, j'aime énormément les pyjamas et les pyjamas du site Shein. Ils sont géniaux. Alors, c'est un pyjama blanc, molletonné, extraordinaire. Vous voyez, bien chaud. J'aime trop, trop, trop les pyjamas. Moi, si je pouvais sortir dehors en pyjama, je le ferai. Et le pull, voilà, il y a écrit Good Night. J'ai pris un jogging pour ma maman. Voilà, elle en voulait un, je lui ai pris celui-ci. Je trouve hyper sympa, élastique au niveau de la matière. Pareil, elle est super. Et il y a le sweat qui va avec. Comme ça, c'est un sweat assez long, à capuche, voilà. Comme ceci, avec les deux petites poches à l'avant. Voilà. Lorsqu'on est en voyage, en déplacement, c'est toujours bien d'avoir des petits sacs à chaussures. J'en ai pris un. Mais je suis étonnée qu'il n'y en ait que un. En fait, je pensais qu'il y en avait plusieurs. Donc, bon, je sais pas. Après, bien évidemment, il y a d'autres sacs que vous pouvez utiliser, même des sachets. Mais bon, pour les voyages également, j'ai pris cette trousse à pinceau. Je trouve génial. Alors, je vais vous expliquer comment on l'utilise. Donc du coup, vous mettez vos pinceaux à l'intérieur. Et vous voyez, quand on arrive dans la chambre d'hôtel, quand on a ses pinceaux dans la trousse, etc., on les pose, ben là du coup, ça reste comme ça. Ça veut dire que vous avez votre petit support, voilà, votre petit support à pinceau. Et puis vous refermez tout simplement. C'est vraiment le genre d'article que j'aime beaucoup et ce sont des petites choses qui facilitent le quotidien. Et moi, étant donné que je suis une personne vraiment très organisée, très maniaque, sur ce genre de site là je trouve des choses qui me facilitent dans mon côté maniaque, tout ça rangé, etc. Donc vraiment, moi je trouve ça super génial. J'ai pris un autre truc pour la prière. Donc c'est un vêtement qui se présente comme ceci, en couleur bordeaux, car c'est une couleur que j'aime bien. Voilà, avec, donc c'est une robe, on la met comme ça, et par-dessus on va mettre ce qui s'appelle un gilbeb. Donc voilà, regardez, c'est vraiment joli. Vous mettez par-dessus et là on a son couvre-tête, ce qui fera en guise de foulard pour se couvrir les cheveux. J'en ai également pris un en blanc. Voilà, je présente comme ceci. Cette fois-ci, c'est une jupe ultra longue avec le gilbeb comme ça en blanc. Vous voyez, donc pour toutes les personnes de confession musulmane qui sont intéressées par ce genre d'article, sachez que sur le site, il y en a et à moindre coût. J'ai pris un miroir. Voilà, comme ceci, avec sa pince à épiler. C'est un miroir x30. Vous pouvez le poser sur une table ou avec les petites ventouses, le coller directement sur le carrelage et la pince. Donc ça, pareil, pour transporter en voyage ou autre, je trouve que c'est assez sympa. J'ai pris ce robot. C'est un robot qui va émettre dans le plafond des lumières, des étoiles, etc. Il va recréer l'espace et il a plusieurs images. Donc il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs diapos, voilà comment on les appelle. Donc ça, pareil, je trouve ça hyper sympa. Ça fera plaisir aux enfants et c'est vraiment très très joli. Pas que les enfants, bien sûr, hein, même pour les adultes, hein, lorsque vous voulez faire une petite soirée tranquille à la maison et tout ça, et puis projeter au plafond une petite déco sympa, c'est vraiment le genre d'article que vous allez aimer. J'ai pris une nappe en satin noir. Alors pour les personnes qui ne savent pas, je participe à des salons depuis peu, à des salons d'exposition. Donc du coup, j'avais envie d'avoir une nappe noire. Ben, je me suis dit, c'est l'occasion de la prendre. Donc ils ont énormément de nappes satinées, que ce soit en noir, en rose. Bref, il y a tous les coloris possibles, comme vous pouvez l'imaginer. Alors j'ai pris un pull taille M, mais j'ai l'impression que c'est un pull, bon oui, qui s'étire, mais qui est extrêmement rikiki tout de même et qui laisse paraître le ventre. Alors moi, ce ne sont pas des articles, enfin ce ne sont pas des vêtements que je porte, mais voilà, pour les personnes qui aiment bien ce style de vêtements. Après bon, je crois que c'est vraiment, c'est juste, si vous mettez un pantalon taille haute,
Ça peut le faire. Mais sinon, au niveau des pulls comme ça qui s'étirent, j'aime bien. J'ai pris une boîte à savon refermable. Pareil, lorsque je suis en déplacement et j'aime bien parfois me laver le visage avec un savon. Donc voilà, je peux maintenant emporter mon petit savon et fermer. Donc voilà, très pratique et utile pour moi. Alors j'ai voulu essayer les robes de soirée qu'il y a sur le site. Alors je ne l'ai pas encore portée, je ne l'ai pas essayée. Mais au niveau de la longueur, je vous les montrerai, hein, je ferai un try-on. Vous voyez, elles sont longues, elles traînent. J'aime bien. Noire, simple. Elle a l'air vraiment très jolie à porter et elle est cintrée. Voilà, je vous montrerai en try-on. N'oubliez pas de vous abonner pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Comme ça, vous ne loupez pas l'essayage robe de soirée Shein. J'en ai prise une également en velours bordeaux. Je trouve que la couleur, elle est vraiment très belle. Et pareil, elles sont très très longues. Elles traînent au sol. C'est le style de robe que j'aime bien quand elle traîne. Vous voyez? Ça aussi, ça passera en try-on. Si jamais try-on, c'est essayage, bien sûr. Et j'ai pris également celle-ci. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voyez? Le devant, il est par là. Voilà. On verra, on verra tout ça lors du moment venu. Le haul y touche presque à sa fin. Il me reste à vous montrer des petits bijoux que j'ai pris. Voilà, il y a des petits bijoux assez sympas sur le site. J'ai pris des petites choses que je vais pouvoir offrir. Donc un petit bracelet comme ça. Vous savez, maintenant quand je dis le mot petit, je pense à une personne qui m'a commenté il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, mais c'est insupportable. Tu dis petit à chaque fois, petit, petit, petit. Je lui ai dit, désolée. Mais non, ça fait vraiment délirer, genre insupportable carrément. Mais je lui ai dit, je t'invite à quitter cette chaîne car j'ai pas envie que être la cause de ton problème, voilà, psychique, enfin le grossir. Il est vrai que les personnes ne se rendent pas forcément compte, mais de mettre une caméra, de parler comme ça tout seul, de faire voilà les présentations machin, c'est pas que c'est pas évident. Mais parfois, voilà, surtout au début, maintenant c'est vrai que je suis à l'aise, mais au début, voilà, on peut trouver des tics de langage, des... Bon, c'est une façon peut-être de se conforter, mais de là, moi je suis pour les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, d'où le terme critique, mais quand c'est dans la bienveillance, tu peux me dire, hey, Coco, j'ai remarqué que tu dis beaucoup le mot petit, tu peux faire en sorte peut-être de le diminuer pour rendre la vidéo plus agréable. Moi, je suis vraiment dans la paix. Je suis même connue auprès de mes amis, tout ça, pour être la personne à la belle parole, la douce, etc. Mais pas comme ça, d'affront. Insupportable. Enfin bref, je continue. Du coup, ce petit, je plaisante, ce bracelet couleur argentée. Il y a aussi ce bracelet. Ça fait un petit peu rappeler les charmes de Pandora. Vous voyez? Celui-ci. J'ai pris un magnifique collier pour celles qui ont des petites filles dans leur entourage ou pareil hein, pour soi-même. Moi, il y a des choses que, quand je vous dis petite fille, enfant, c'est vraiment parce que c'est pour les personnes que je vais donner. Ce sont des petits-enfants ou autres. Mais si vous les voulez pour vous, bien sûr, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de règle. J'ai pris ces créoles-là. Des créoles assez simples, comme vous le savez. Les créoles, oula. Les créoles, ce sont mes boucles d'oreilles favorites. J'ai pris également des créoles argentées, comme ça. Voilà. J'ai pris des créoles comme ceci également. Termes de qualité, hein, comme je vous ai dit, ce sont vraiment les choses que vous pouvez retrouver chez Claire's, etc. Il n'y a vraiment pas de différence. J'ai pris celle-ci également. Ça, c'est forme de boucle d'oreille, de bracelet, etc. que j'aime énormément. Et j'ai voulu essayer une paire de boucles d'oreille comme ceci. Vous savez, ça prend toute l'oreille. En forme de papillon. Quand j'étais plus jeune, j'aimais trop, trop, trop tout ce qui était papillon, etc. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ma jeunesse. On va voir ce que ça va donner.
Voilà, le haul, il touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le partager aussi à vos proches à qui vous voulez faire découvrir les choses que l'on peut retrouver sur le site. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets une photo de profil ici. Vous cliquez juste dessus et puis vous êtes abonné. Je vous mets aussi une petite vidéo là si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Je vous partage le lien du site, le code promo en barre d'infos, mes réseaux sociaux et toutes les infos que vous désirerez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, mes boutistas. En attendant, portez-vous à merveille et je vous fais de gros bisous. Mouah.